Lil Wayne, son mon petit frère, il vient en Amérique pour venir ici au Burundi avec moi. J'ai été dans le ventre. Mon père est là en Amérique. Ma mère a venu ici au Burundi pour faire le travail, pour voir la famille. Il y a mon oncle qui habite ici au Burundi. C'est mon oncle qui en est en Amérique même. Et moi, j'ai né ici au Burundi parce que ma mère a vient ici avec le ventre. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Idmani, aka 2WX Baby Boy, Mwenda Peke Mboga, Yomye Bwana Muzukuru wa Saisi Seru Fefiano Disfisi, Baba na Mama Sanda na Jeneza, mimi mwenyewe mtoto wa udongo, sijajitimiza, sijageuka mbegu, mwende kunipanda mbanda. Ça c'est quel nom? Ça c'est le nom de Idmani. Je veux un nom qui... C'est le nom de Idmani même. C'est le nom de Idmani même. Tu es un artiste burundais. Moi, je suis artiste burundais. Je chante même, je rappe. Même tu rappes? Oui. Tu peux nous faire un petit un a cappella sur tes morceaux? Les petits morceaux de tes chansons. Every day tunasaka mane, watoto zuri wanapenda mane. Hali ya sasa sio kaza mane, leta mishe so mara mane. Weekend mefika to spend mane, kama maboy na mabebe tujane. Maisha matamu lakini mafupi, ukiruka ruko na vaa virusi. Na kama nuksu silete chuplu wabishi watan tunasaka noti. Wamoja wanabeti, wengine wanakete, wengine ni msela. Tade bishe bishe hakuna kulala, makonks na usikai kifala. Uchelewe kudandiwa ukavisho msala, kula kwa jasho, easy commercial, vitu special. Kutoka ghetto kama olege. Pour ceux qui ne comprennent pas ces paroles, en résumé, tu peux dire ce que tu étais en train de rapper en français? En français, je dis tous les jours, nous travaillons pour chercher l'argent. Si tu rêves, il y a les gens que tu veux prendre toi comme les voyous, il veut t'envoyer dans les prisons centrales. Tu fais clair avec ton objet. Tu fais clair avec ton objet. Oui. C'est-à-dire? Où est Makini Nakazizako? Il faut te focaliser. Oui. Sur tes objectifs. Oui. Ok. Alors, toi, ça fait combien de temps que tu es dans cette industrie musicale burundaise? La musique, j'ai été musicien depuis dans le ventre de ma mère. Ok. J'ai été chanteur. Si je suis là, j'ai été danseur. Si j'ai tourné, ma mère a dit à la personne qui est avec lui, il lui parlait, j'attends mon enfant, il est de danser dans mon ventre. Il est en train de danser dans son... Tu dansais dans le ventre de ta mère? De ma mère. Ok. Oui. J'ai été danser les danses qu'on appelle B2K. Dans le ventre de ma mère. Okay. J'ai été tourné jusqu'à le jour que ma mère va me sortir. Si je vois le monde avec les gens, j'ai été chanter les chansons de Rie.
ma mère et le docteur. Okay. Il fait attends, cet enfant, il est bien. Okay. Né. Ok. Oui. Et le jour de ta naissance, qu'est-ce que ta mère t'a dit comment était le climat le jour de ta naissance? Parce que c'est il y avait un enfant spécial qui était en train de tenir un enfant qui dansait dans le ventre de sa mère. Et c'était quoi? Comment était le climat dans le bloc le jour de ta naissance? Comment est-ce que qu'est-ce que ta mère t'a dit? Ma mère a dit Dieu merci à toutes les choses que j'étais passé si mon enfant il est dans mon ventre. Okay. Et jusqu'à jour où j'ai été sorti dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ma mère. Okay. Ma mère a remercié Dieu. Et papa a été dur comme ça. Je vois que Dieu il a me donné bon enfant, les bons garçons. Il veut m'aider dans ma vie. Oui, c'est ça. Ok. Et alors? Tu es né, tu as grandi. Comment est-ce que tu as entré juste à part que tu après avoir arrivé hein, sur après avoir né hein? Comment tu t'es trouvé dans la musique, dans ces histoires de l'industrie musicale, dans les studios, etc. Et j'ai passé à beaucoup de choses pour passer en studio. Okay. Et j'ai été passé en studio parce que ma mère a déjà me dire que je suis bon chanteur. Okay. J'ai été chercher l'argent pour aller au studio. C'était quand? C'est en 1980. Oh non. Pour entrer au studio. Oui, oui. En 2003. Okay. Et c'est mon première fois pour aller au studio. Okay. MRM Records. C'était comment? J'ai été chanter une chanson de hip-hop. Okay. Fanny Mascagne. En 2003? Oui. C'était comment? Où est-ce que tu avais trouvé l'argent? Parce que je pense que même aujourd'hui, les studios sont très cher. Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour aller payer au studio pour te produire la chanson? J'ai cherché l'argent au salon de coiffure. Et tu es aussi coiffeur? Je suis coiffeur. Okay. Je suis le petit coiffeur, n'est jamais à l'air. Hein? Je suis le petit coiffeur, n'est jamais à l'air. J'ai cherché l'argent. Je ne vais pas trouver tout. Ma mère a me donné l'argent pour aller au studio. J'étais allé au studio. J'ai payé l'argent pour commencer le semental. Okay. Après, j'ai rentré à la maison pour faire la répétition. Okay. Après, j'ai vais là au studio pour chanter. Ok. Oui. Oh, c'est à l'époque, le studio était à combien? Le studio a été à 90 000 francs burundi. En 2003? Oui. C'était trop cher? Oui. Même si tu avais
60 000, il y a les producteurs qui je veux vous envoyer une chanson. Et tu veux chanter une chanson. Si tu connais, chanter bien. Il a voir celui que je veux. Celui que je veux faire ces chansons. Il veut m'aider pour envoyer pour le studio fait tourner en tous les hommes qu'on attend les chansons. Il y a des logos qu'on en fait parce que tu veux connaître c'est le studio de qui. Oui, j'étais passé à MRM Record, Romeo Production. J'ai été chanté une chanson. À cette époque-là, dans cette époque, il y avait combien de studios? Il y avait 3 studios. Ok, lesquels? Menia Media Studio. Chez Jérémy. Jérémy's Production. Ok. MRM Record, Romeo Production. Ok. And the Lakship Record. Bochum. Bochum Production. Partout là, tu t'es produit la musique. Tu as tous ces studios. Ou bien tu as travaillé seulement non, avec Romeo. Non, j'ai été travaillé avec le Romeo. Romeo seulement. Seulement. Ok. Oui. Oh. Est-ce que ça a été facile pour toi? Et ça, okay. ça a été facile, mais. Facile. Mais tu ressembles à Lil Wayne? Et Lil Wayne, c'est mon petit frère. C'est ton petit frère. C'est mon petit frère. Alors, comment vous êtes séparés? Et c'est parce que ma mère a déjà pour changer le pays. Il vient en Amérique pour venir ici au Burundi avec moi. J'ai été dans le ventre. Ah, ta mère est américaine? Oui, c'est une américaine, ma mère. Toi, tu es le frère de Lil Wayne? Oui. Tu as dit que Lil Wayne est ton petit frère? C'est mon petit frère. Alors que toi, c'est toi qui a vécu en premier et puis Lil Wayne après. Ta mère avait retourné aux États-Unis? Ma mère a retourné aux États-Unis. Ok. Mon père est là, en Amérique. Ma mère a venu ici au Burundi pour faire le travail, pour voir la famille. Il y a mon oncle qui habite ici au Burundi. C'est mon oncle qui en est en Amérique même. Et moi j'ai né ici au Burundi parce que ma mère a vient ici avec le ventre. Je ne sais pas parler. Ta mère était enceinte? Oui, enceinte. De toi? De moi. Et puis tu es né ici au Burundi et puis elle est retournée aux États-Unis. Et puis elle a mis au monde de Lil Wayne. Moi, j'ai resté ici. Ok. Et lui ma mère a passé en Amérique. Moi, je vais rester ici au Burundi. Lil Wayne, après, j'attends ma mère a déjà avec mon petit frère. Lil Wayne. Lil Wayne. Est-ce que vous vous parlez au moins parfois? Lil Wayne,
je ne vais parler pas avec lui parce que moi je ne connais pas l'anglais. Alors que c'est ton petit frère. Et lui, il ne connaît pas le swahili. Mais vous pouvez parler en français quand même. En français, même le français, ce que je parle, ce n'est pas le français. Ça, c'est le français. Non, ce n'est pas le français. Où est-ce que tu as appris le français? Tu as quel niveau d'études, Biman? Moi, j'ai... Franchement parlant. Le français... Tu as combien d'abord niveau d'études? Niveau d'études? Oui, je vais savoir si c'est ton niveau d'études. J'ai quitté à l'école en 10e. En 10e? Oui. Tu fréquentais quel établissement? Chata School. Ah, tu étais à Chata School? Oui. Tu étudiais avec les Saïdon Tinibazoniz? Saïdon Tinibazoniz a été en 3e, moi je suis en 4e. Ah, il était devant toi? Oui, avec Petit Black G a été en 2e. Et toi tu étais? En 4e. Oh. Oui. Même j'ai étudié avec l'autre Sani qu'on appelle Baby Boy, Bukuru Hamza. Ok. Okay. Vous avez étudié ensemble? Ensemble. À Chata School? Chata School. Notre établissement d'Oswahili. Alors, est-ce que depuis... Tu n'as même essayé de faire un message à Lil Wayne pour que vous... Parce que... Non. Jamais. Je n'envoyais pas le message. Est-ce que lui, il sait qu'il a un frère aussi au Burundi? Je ne sais pas. Alors que vous avez la même mère. C'est parce que mère a déjà mourir. Ah, maman est déjà morte. Parce que ma mère a déjà mourir avec mon père. Il ne m'a pas tourné ici au Burundi. Même je vois que si je lui dis Lil Wayne, moi je suis le grand frère, il ne veut jamais. Ok. Peut-être qu'un jour vous retrouverez. Il y aura des retrouvailles. C'est Dieu qui va nous juger. Et il y a un jour que nous serons ensemble avec Lil Wayne. Ok. Nous avons travaillé une chanson. Avec Lil Wayne. Avec Lil Wayne. Ok. J'ai une idée que je vais chanter avec lui. Un jour. Un jour. Ok. Tu vas chanter avec ton frère. Oui, mon petit frère. Ok. Je vois que tu as beaucoup de tatouages sur ton corps. Et les tatouages... Ça représente quoi? Tatouage, c'est une... Souvenir. Souvenir. Dans toutes les choses que j'ai été passé. Ok. Oui. Par exemple? Par exemple, ça, dans mon corps. Oui. Il y en a... Love... J'ai été aimé ma mère. Ok. Avec mon père. Et puis, avec mon petit frère Lil Wayne. Ok. Et puis ça? Ça, c'est une fleur. C'est une fleur de mon amour. Qu'on avait abandonné. Abandonné avec lui. Avec ça. Ça, c'est une petite chose qu'on a passé ici. On a même passé avec cette je le connais pour parler en swahili. Je le connais en swahili, Mserevani. En français, lézard. Lézard. En français, je ne connais pas. C'est parce que lézard. Toi, tu me dis c'est lézard. Et... Avec MBF. MBF, c'est mon groupe. C'est ton groupe. Oui. Alors, Edman, qu'est-ce que tu peux dire comme bye-bye à l'enfant parce que tu vois, il va pleuvoir? Et tous les gens qui me voient, regardez ici, il y a beaucoup de gens qui me voient.
C'est parce que moi, je ne connais pas parler bien français. Mais j'ai été habité avec les francophonies. Là, à mon... Là, en Comore. En Comore, j'ai été parler les français des bricoles, les bricoles. C'est pour ça que tu bricoles. C'est comme ça. Moi, je ne connais pas bien le français. Mais je vais essayer pour parler. J'essaie beaucoup parler en français. Ok. Oui. Merci, Edmond. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Et peut-être on se verra plus tard. Oui. Je pense que le jour où on se verra, tu seras en contact avec Elohim. Si Dieu va me faire bien, je vais lui chercher. Ok. Je ne lui cherche pas parce que moi, je n'ai pas d'argent. Ok. Oui, je travaille, même l'argent, il ne tourne pas. Ok. Oui. Edmond, take oui. five. God bless you. Mojambili TV. Non, ça c'est Simbizi, c'est ma vumba. Simbizi, c'est ma vumba. Oui. Mojambili TV. Si vous voulez, comment nous vivons Kirundi, vous pouvez aller sur Mojambili TV, vous pouvez aller sur Mojambili TV, vous pouvez aller sur Kirundi. Ariko, jewe ndu Murundi akwiriye. Bizina jeje Kirundi ndi. Je nitwa Sabimana Idi. Nsabimana wa Nyandwi Juma. Nyandwi wa ndi. Nyandwi wa Nimbona Jerome. Nimbona wa Nyarikurubu wa ndi. Nyarikurubu wo kwa sogokuruza yitwa Nare Rushasi. Mukuntu naje na Teresa Mushasi. Umuzukuru wiwe ni jewe Edmond baby boy. Umuzukuruza wa Nare. Wa Nare Rushasi seisi serufyafya nuri fitsi. Ifi yumye ibona. Ifi yumye ibona. J'étais avec monsieur Ifi yumye ibona. Ndumubazanira ikindi gihe ndi muri mode kwera ubarandoze. Jembo nufise nk'ikintu nk'igihute. Umuti w'igihute n'iki? Umuti w'igihute amate yawe. Kenshi bihute biva kuki? Ibihute bivana n'amaraso. Kenshi ibintu bikunda gutuma haba igihute. Ahantu haba igihute. Ano kenshi bizana n'iki uwo bufisa amavuta menshi oya biva kuki kenshi ariho kenshi wo kwabirana n'umugore utoze akacaza indeje nabirana n'umugore ibihute je nabirana n'umugore oya bajyanye ne twari ko turavuga yige uwa chamo ugashukubitwa mu MB mbi ndakunda sana ni MBF big boy.